encore. C'est beau. Je dis, c'est beau là. C'est deux jeunes qui se font des chamailles. Que voulez-vous ajouter de plus? Autant de bonheur, ça coupe le souffle. Pas moyen de faire des phrases correctes ensuite. Il n'y a plus que de monosyllabes qui vous sortent de la bouche. Lui, un Raphaël fraîchement taillé dans le marbre. Une alliance de force et de finesse, de souplesse et de fermeté. Et son regard. Avez-vous déjà soutenu un tel regard? Non, je dis. Quelle profondeur! Quelle intensité! Un regard, madame, qui vous tient éveillé aux heures les plus insolites de la nuit et vous transporte aux plus incongrues du jour. Ah! Et elle! Monsieur, l'avez-vous vue? Elle! Cette bouche vermeille, ce teint groseille, et ce sein d'une rondeur. Le divin, s'il existe, consiste en rondes choses. J'en tremble encore. Vraiment, je suis comblé. Je n'ai jamais rien vu de si charmant sur terre. Pour ma part, je suis célibataire. Et vous l'aviez deviné? Votre intuition est blessante, mademoiselle. Hein, mademoiselle? Madame? Madame, oh bien. C'est incroyable les rencontres, madame, non? Nous nous connaissons depuis moins d'une minute. Et vous lisez déjà clair au fond de mon âme. Comment? Ah non, non, je n'insiste pas. Hein. Et n'imaginez pas que je pouvais être intéressé. Hein. Voilà, voilà. Je m'en vais. Voyez. Il était une fois une actrice. Elle vivait dans son lit comme d'autres à la campagne. Mal! Elle se retournait dans son sommeil. Elle ne trouvait pas la clé de songe. Alors, elle invita des spectateurs à s'agenouiller près d'elle. Elle leur offrit des biscuits cuillères à tremper. Elle servit le café, un petit whisky pour stimuler les esprits. Puis, elle se mit à parler d'elle. Mais les spectateurs ne l'écoutaient pas. Mais s'il la trouvait belle, c'est déjà ça. Il trouvait qu'elle avait une superbe voix de théâtre. Puis,
Elle se mit à se lamenter sur son propre sort. Elle se mit à raconter qu'elle avait merveilleux amis aussi. Qu'elle était très intrigue, si vous saviez. C'est sans doute parce que vous êtes vous aussi merveilleuse. Ça, un jeune spectateur complètement épris. Ah, ou bien un gros con, pétri des mauvais esprits. Quoi qu'il en soit, la jeune fille ne releva pas. Elle poursuivit avec grâce son babillage. Et lorsque minuit sonna, les gens s'en allèrent en se gargarisant. Quelle délice! Et la jeune fille eut peur de rester seule. Mais le jeune spectateur ébaudi se frotta tout contre lui dans ce grand lit et notre jeune princesse espiègle se glissa contre lui, puis un peu s'endormir. Et dans les bras de cet homme-là, sa vie fut un songe. Je me présente. Je m'appelle André Lagarde. Lagarde, c'est un nom que j'aime bien. Oui, je trouve qu'il reflète tout à fait ma personnalité. Il évoque à la fois la douceur et la virilité, le sens de l'humour et le sérieux qui font et qui ont fait, au cours de ma vie, mon tourment et ma félicité. Je vais mourir dans du nord. Voilà pour mon tourment. Je vais être assassiné. Hélas, cela arrive parfois aux personnages qui, dès le début, sont un peu trop sûrs de leur rôle. Déjà, un complot sordide est ourdi contre moi. Les mesures nécessaires sont prises. Et l'impôt, au prix d'un mince effort, entendre au loin le sourd murmure de seaux de terre jetés sur la bière. Mais tout cela, je ne le sais pas encore. Oui, pour le moment, tout va bien. J'aime le bain d'eau fraîche dans la rivière, le chant de l'alouette, le matin, les boucles blondes de Marie lorsqu'elle rebondissent sur sa blanche épaule.